Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Naruto Storm. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo de test sur le personnage Sasuke mode conseil Dekage. Donc avec les deux Mangekyo Sharingan. Donc sur ce, c'est parti. Alors Sasuke conseil Dekage, c'est un peu comme tous les autres Sasuke en fait. Donc je vais vous montrer pour commencer son attaque tri en gros. Alors Enton feu noir bondissant. Donc elle est pas mal cette attaque parce que vous pouvez là, aussi la faire en l'air. Et ce qui est bien avec le Enton, si vous ne le savez pas encore, c'est que le Enton en fait passe à travers toutes les attaques, donc le Suiton, le Katon, ça passe à travers en fait. Et aussi l'attaque va loin et vite, donc c'est cool. Et si vous êtes près de l'adversaire, si vous voulez le surprendre, vous sautez, vous faites le Enton. Bon après il faut se mettre au bon angle parce que si vous êtes collé à l'adversaire comme vous venez de voir, en fait ça touche pas, donc faut se mettre par exemple ici, et voilà. Et en plus ça fait tomber l'adversaire, donc ça c'est vraiment cool. Après pour ces combos, je vais vous montrer le combo du bas. Voilà. Le combo du bas, le combo normal. Et le combo du haut. Voilà, et le combo en l'air, merde, j'ai pas eu le temps. Le combo en l'air. Voilà, bon là il a raté à cause du mur, mais voilà. Sa garde rond, où il chope l'adversaire avec un Susanoo. Donc ce qui est bien avec sa garde rond, c'est qu'elle touche de plutôt loin. Et son incliné, voilà donc les flèches du Susanoo. Donc ça c'est assez cool pour stun l'adversaire. Donc comme vous pouvez voir, l'adversaire est un peu étourdi quand il se prend les flèches. Et après sa technique spéciale. Et ce qui est bien avec sa technique spéciale en fait, c'est quand il l'a fait, le Susanoo le protège de toute attaque. Donc vous pouvez pas reset en le tapant en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Vous pouvez pas vous faire reset. Et donc voilà, et je vais vous montrer son... Donc le Susanoo qui est pas parfait, mais c'est quand même, ça reste quand même un Susanoo. Donc l'attaque en gros de ce Susanoo, c'est une flèche de Enton. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que la flèche ne suit pas, donc faut que l'adversaire croit que... assez compliqué à toucher quand même. Après par contre, c'est l'attaque qui sont mains, c'est qui touche de loin. Voilà. L'incliné, c'est... je sais pas comment on appelle ça, mais... Enfin, voilà, je sais pas, je vois pas l'utilité. Et la garde ronde, donc si l'adversaire est en garde, hop, voilà. Et donc sur ce, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce Sasuke. Et sur ce, let's go en online. Donc ça y est, j'ai trouvé un adversaire. Donc j'ai pris Sasuke mode mode conseil Dekage avec Tobi. Voilà, donc c'est un peu une team cohérente. Et ok, le mec joue en face la team que j'avais présenté dans une vidéo. Donc voilà, je sais pas si c'est un abonné. Après c'est une team Non, lui il joue Minato Tage. Moi j'ai pris Minato Zenin. Bon, oh merde. Il va bien, il est avec Ok, peut-être Tobi qui va passer. Ok, l'attaque Kagutsu. Enfin, j'allais le dire en VO, mais on va dire plutôt l'attaque Enton, hein. Ça va être plus simple. Ah, désolé. Bon, bon, c'est ça, histoire de tempo. Ah merde, ça va pas si loin que ça en fait. Bon, moi je récupère mes permis, je suis tranquille. Hein. Allez! Oh non! Ah, il s'est pris le parchemin plus quand j'ai lancé le mien. J'ai pu esquiver. On va suivre sur Tobi et refuit sur Sasuke. Je vais pas lui laisser récupérer Super Mute. Tobi en soutien, il est vraiment fort. Hein. Allez, allez. C'est nickel ça. Oh. Ah, j'aurais dû Super Mute. J'ai Super Mute, mais j'ai pas eu le temps. Tellement il va vite sur Rasengan, j'ai pas eu le temps de permis. Oh, du chaud. C'est quoi si je balance dessus au Lenton? Ah ouais. Allez, ça passe. Ils ont pas d'attaque les deux, c'est dommage.
Tu fais pitié la vie. Et les stamina toi. Alors avec le sein c'est dommage, je vais pas enlever beaucoup de dégâts. Voilà, on esquive. Hop. Ah, il a cru qu'il allait m'avoir ce coup. Oh non. Oh, je m'y attendais pas. Ah, il me l'a fait vraiment de loin ces garderons là. Pour le coup. Ça passe. Dommage. Bon, dommage, là j'ai pas mon chakra pour. Ah, il était mort, frérot. Oh non, je reprends sur Rasengan. En vrai, l'adversaire en face est pas hyper chaud. Oh non, oh vous avez vu. Oh là là, mais oh là là. Vas-y, là je baisse ma garde parce que le mec en face est vraiment pas fort. Ok, j'ai tué le stun. Ok, il a tué deux stuns dans le vide. Oh là là, l'esquive incroyable. Oh là là, mais c'est Rasengan par contre. Vas-y, allez, on active le mode éveil, c'est trop là. Le katon a fait le matin, mais bon. On tire la flèche. On va en retirer une. Et on va rush. Donc il est foutu. On gratte les dégâts. Hein. On va tuer le katon. Il est parti dans le ciel. Allez, on continue. On va faire la garde ronde. Oh non, mais pas sur Rasengan, il est surpuissant. Regardez ce que je vais faire. Vous avez vu ou pas? Oh, je me fais niquer mon action comme ça par un putain de Rasengan que le mec spam depuis le début là. En plus, j'ai même pas le temps de permis tellement il va vite le Rasengan. Ok, j'ai eu. On a fait la garde en même temps, la main est allée un tout petit peu lui. Du coup, j'ai eu le temps de le toucher. Pour moi, je vais arrêter de spam les Rasengan parce que. On parie, il va en faire un là. Voilà. Vous avez vu ou pas? Je voulais de pré-shoot les permis en avance. Pour vous dire. Okay. Oh, ben nickel, j'ai déjà lu. Donc ça y est, j'ai trouvé un second adversaire, du coup je vais prendre la même team que tout à l'heure, voilà. Toby un soutien qui est très fort, du coup je vais le garder. Après ce qui est dommage c'est que je peux pas switch avec lui. Donc... Enfin je peux switch mais c'est pas ouf. Ok, donc le mec en face joue Naruto, Uzumaki avec Killer Bee et Neji. Ok, donc il esquive mon Linton. Il est esquivé l'aria électrique là. Comment ça s'appelle? Aïe. Ah dommage, pas passé. Oh j'en étais sûr. Oh j'ai bien fait de le taper. J'ai voulu faire mute. Mais je l'ai tapé sans respect et du coup ça a annulé sa truc. Genre son Killer Bee s'est pas pris le Kagutsuchi sushi. Ok nickel, l'Enta qui passe. Ok on permute. Hop, le Rasengan qui est esquivé. Il a même essayé de faire la garde ronde mais elle esquive aussi. C'est incroyable. On va laisser activer son mode éveil. Pour toi un peu que la balance pour qu'il y ait du jeu toi. En plus que le mode éveil de ce Naruto là est vraiment stylé. Je suis un bon joueur quand même. Je suis un joueur fair play. C'est pour le beau jeu. Qu'est-ce que tu fais moi? T'es en mode éveil, moi je temporise, ça me dérange pas. Ouh. Wesh, il a sorti son
son Gucci là. Je sais plus comment il s'appelle, c'est, je crois que c'est Gucci Achille, voilà. Mais ils ont deux noms, ils ont un nom merde, putain, j'ai super mix. Tu vois, faire le malin là comme ça. C'est le malin tombe dans le ramin comme on dit. Bah là c'est exactement pareil. Attends mais mec, oh il m'a fait une remontade du futur, vas-y sûr. C'est bon. Dès que j'ai Obito, je suis sur lui. Bon, bien, là, c'est bon. Quoi? Ah ouais, j'étais en... Ouais. Oh. Ouais, je le Rasengan, il m'a fait mal. Il m'a fait trop mal le bail. Allez, chauffe-le. Bon, ce mec est remonté de ouf. Hein. J'ai trop son combo en l'air avec les l'électricité. Aïe. Ouais, Killer Bee aurait eu raison de moi. Oh là là, mais encore. Ah, le Rasengan Naruto, il fait pas mal. Ah putain, le parchemin flic, il est pas passé, genre. Après, l'attaque triangle de Sasuke, je préférerais même prendre le fil d'orient, en vrai. Oh, je viens de faire un truc, gros. Je l'ai attrapé en l'air. Oh, je me suis gavé, c'était grave stylé. Oh mec, attends, comment je l'attrape en l'air? Ça, je regarderai ça au montage. Incroyable. C'était grave stylé. Genre, il tombait, je l'ai attrapé avec mon Susanoo. Et je lui ai mis un Enton dans sa tête. Hop. Alors, vous avez vu, là, l'Enton a neutralisé Killer Bee. Et s'est passé à travers et l'attaque a continué. Ça, c'est vraiment, ça, c'est ce qui est bien avec l'Enton, en fait. Ah, il y a eu le Rasengan en l'air. Non. Oh là là. Allez, viens maintenant, viens. Là, hop. Là, ça passe. Ah, dommage. Oh, si je me prends ce Rasengan là, ça moins de choses. Il est trop fort le Rasengan de ce Naruto. Pas de cet éveil. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Nickel, on finit sur une. Désolé pour le micro. On finit sur une. Attaque spéciale, tu fais pitié. Feu noir du Susanoo. Décide de protéger le village de Konoha et de devenir Hokage. Ça c'est grâce à Itachi ça. Grâce à Itachi qu'il a cette mentalité maintenant. Ouais, j'ai déjà lu en tout cas. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et sur ce, c'est ciao.